Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Ludo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez de la dernière fois où je vous ai présenté le dernier album d'Adoshin, 13, qui m'avait été offert par Steven. Eh bien Steven ne s'en est pas arrêté là et il m'a également offert le coffret Adoshin 13 que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette édition limitée d'une valeur de 40€ se présente comme une belle boîte noire mate et plutôt sobre. On remarque en bas, en relief et en surbrillance, la croix d'Indochine de couleur noire également. Comme sur l'album, on y retrouve la même image sur le dessus de la boîte, en relief et en surbrillance. Contrairement à ce que j'avais annoncé lors de la présentation de l'album, cette image représente 13 filles de 13 pays différents et cette personne en haut à droite est bien une fille qui, d'après moi, représente la 10e musique de l'album Tomboy, contrairement à ce que je pensais lors de la première vidéo. On va passer maintenant à l'ouverture du coffret et à la surface on y retrouve un ensemble de 5 ballons, j'aurais bien aimé en avoir 13. Un drapeau d'Adoshin représentant le nombre 13 que je vous montre sur la photo. Un poster du groupe au complet de 2017. Et un ensemble de cartes postales avec deux faux timbres représentant des photos prises lors de l'enregistrement de l'album. Vous remarquerez également à la fin un petit mot caché de la part de Nicolas Sirkis. Et en dessous donc, on y retrouve l'album, le même que je vous ai présenté la dernière fois, avec la couverture et les titres à l'arrière. Et rien de plus dans ce coffret, ce qui est déjà pas mal. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez acheté cette édition collector du CD Indochine 13. Et si vous avez également réservé des places pour les concerts, un petit j'aime, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Ludovic Baer. Allez, à la prochaine !